Monseigneur Guy de Kerimet devait donc présider cette célébration d'ordination. Mais son chirurgien a décidé d'avancer son opération d'une prothèse de la hanche à cette semaine-ci. Voilà pourquoi il n'a pas pu venir, mais il y a toujours des miracles à Lourdes. Parce que son futur évêque auxiliaire de Toulouse, Monseigneur Jean-Pierre Battu, était justement à Lourdes pour son pèlerinage avec son diocèse actuel de Blois. Aussi, nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Jean-Pierre Battu, qui connaît par ailleurs très bien notre communauté de Nouant-le-Fuselier et qui va donc remplacer Monseigneur Guy de Kerimel. Nous sommes aussi heureux également... Nous sommes heureux également d'avoir ici la présence du recteur des sanctuaires de Lourdes, le Père Michel Dauban. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, je suis particulièrement heureux de célébrer ces ordinations aujourd'hui. À Blois, j'ai bien connu la communauté des Béatitudes et j'ai la joie de la retrouver à Toulouse. Et puis, c'est une grande grâce de célébrer des ordinations ici à Lourdes. La Vierge Marie attendait au Cénacle, avec les apôtres, le don de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est descendu sur eux. Le ministère apostolique a commencé ce jour-là et se prolonge tout au long des âges jusqu'à la venue du Seigneur dans la gloire par l'ordination. Ce grand mystère, nous allons en être témoins, ce sacrement. Nous allons y participer et nous allons porter dans notre prière ces trois hommes qui vont à leur tour faire partie de cette longue chaîne qui, depuis les apôtres, nous transmet la parole de Dieu et les sacrements de la vie de Dieu. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Frère Élie Théophane. Le voici. Frère Emmanuel de la Croix. Le voici. Frère Juan Diego de Jesús. Le voici. Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Élie Théophane, Emmanuel de la Croix et Juan Diego de Jesús et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytère. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le Père Jean Auriel, responsable général de la branche des frères de la communauté des Béatitudes, va présenter les ordinants. Frère Élie Théophane d'Oï est né en 1984 à Bouaké, en Côte d'Ivoire, cadet d'une famille de 6 enfants. C'est dans la cellule familiale qu'il découvre la foi. Ainsi, dès l'enfance, bien que n'étant pas encore baptisé, il est servant de messe et va au catéchisme. Très tôt, le désir du sacerdoce s'éveille en lui. Après quelques années difficiles, il décide de se préparer au baptême. Et c'est là qu'il découvre la prière
et le goût de la parole de Dieu. Pendant la retraite de préparation à la confirmation, lors d'un temps de prière personnelle après la messe, il ressent de manière forte dans son cœur le désir de consacrer sa vie entière à la prière et de devenir prêtre pour aimer Dieu et le faire aimer. En fréquentant le groupe de prière du renouveau charismatique, il découvre la louange et la vie dans l'esprit. Il rencontre la communauté des béatitudes et tout en faisant ses études, il devient disciple de l'agneau. Ses années proches de la communauté lui ont fait découvrir la beauté de la liturgie, la joie de vivre ensemble et l'amour de la Lectio Divina. Après un séjour décisif à la communauté en 2012, il entre comme stagiaire dans le foyer d'Issia. Il rejoint ensuite la maison d'Autrey en France pour l'année de noviciat et poursuit ses années de philosophie, de théologie à Toulouse. Il prononce ses vœux perpétuels en mai 2021 et une année plus tard, il est ordonné diacre. Il a passé son année diaconale dans le foyer de Nouons-le-Fuselier, durant laquelle il a suivi l'année de formation des responsables de noviciat à Paris. Parmi nous, frère Élie Théophane met de la bonne humeur par sa vivacité, son sourire et son esprit fraternel. Il aime entrer en dialogue avec les uns les autres pour aimer, pour mieux construire la communauté. Il nous édifie par sa patience envers les sans-abri qui passent dans nos foyers. L'aventure n'est pas finie. Avec cette ordination presbytérale, nul doute que le Seigneur continuera à le solliciter selon les talents qu'il a placés en lui. Frère Juan Diego Sánchez Madrazo est né au Mexique en 1974. Il est le dernier de 4 enfants et a perdu son papa à l'âge de 5 ans. Il a grandi dans une famille chrétienne fortement engagée dans le renouveau charismatique. Dès l'âge de 10 ans, il a fait une expérience très forte de l'amour de Jésus pour lui. Le scoutisme lui apprend l'attention aux autres, particulièrement aux plus pauvres. À 15 ans, il sent l'appel au sacerdoce lors d'une retraite d'évangélisation du renouveau. Cet appel s'imprime profondément dans son cœur, même s'il sera mis à l'épreuve par la suite. Après ses études, il s'épanouit avec succès dans la vie professionnelle. Durant cette période, il développe une relation amoureuse et s'oriente même vers des fiançailles, mais finit par donner raison à la voix qui l'appelle depuis longtemps au sacerdoce. Il s'engage à participer à des missions d'évangélisation en montagne auprès des pauvres et les organise lui-même. Ce contact avec les plus démunis le confirme dans sa vocation. Une visite à la communauté le séduit et très rapidement, il exprime le désir de la rejoindre pour un chemin de discernement. Entré à la communauté à Puebla, au Mexique, en 2014, il fera profession définitive en 2021 à Blagnac. Il termine son baccalauréat canonique en juin 2022 et après l'ordination diaconale, il est envoyé au Sable d'Olonne où il a exercé son ministère cette année. Frère Juan Diego est un homme de communion, un frère mature avec un bon jugement. Il sait tout faire, de la pâtisserie à la construction, et il est toujours prêt à rendre service. Son souci du prochain, en particulier du plus petit, marquera sans doute l'exercice de son ministère futur. Frère Emmanuel Delacroix est né en mai 1977 à Lomé, au Togo. Il est le 5e de 7 enfants et il a grandi dans une famille catholique non pratiquante. Il a rencontré le Seigneur à l'âge de 11 ans au collège pendant les cours de religion obligatoire. Il a alors fréquenté une église évangélique, mais sa mère n'était pas d'accord et il a fini par ne plus aller du tout à l'église. Providentiellement, la paroisse catholique se trouvait en face de l'endroit où il habitait et par curiosité, il a commencé à s'y rendre et à faire tout un cheminement.
Il a été baptisé le 9 janvier 1993 et il a fait sa première communion le lendemain. Lors d'un séjour en Côte d'Ivoire, il a rencontré le renouveau charismatique. C'est lors d'une cérémonie d'ordination au grand séminaire interdiocésain de Lomé qu'il a ressenti son premier appel à la prêtrise. Mais son appel au sacerdoce a été mis à rude épreuve, non seulement par le désir de fonder une famille, mais aussi par une autre grande passion, le foot. Comme il avait la possibilité d'entamer une carrière professionnelle de footballeur, le choix n'a pas été facile. Il s'en est ouvert à son curé, qui l'a invité à rejoindre le groupe vocationnel de la paroisse, avec lequel il a cheminé pendant 4 ans. La communauté des Béatitudes qu'il a rencontrée lui a proposé de faire une retraite de discernement à Issia en juin 2010. C'est avec amour, paix et joie qu'il a tout accueilli du Seigneur. Entré à la communauté en 2011, il a fait sa profession définitive en octobre 2019 à Blagnac et il a été ordonné diacre le 1er juillet 2022. Pendant son stage diaconal à Tilchâteau, en Belgique, il a suivi l'année de formation des responsables de noviciat à Paris. Frère Emmanuel de la Croix est attentif à chacun, agréable et positif. Toujours d'humeur égale, il communique la paix et la joie autour de lui, et l'on perçoit l'amour qui l'habite. Nul doute que le Seigneur s'appuiera sur ses qualités pour construire avec lui sa communauté et son Église. Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons la gloire du Seigneur. Et tira par son nid.
Seigneur. Dieu qui a donné ton Fils au monde, comme prêtre de ton alliance avec l'humanité, pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire. Accorde à frère Élie Théophane, frère Emmanuel de la Croix et frère Juan Diego de Jésus, qu'il a choisi comme serviteur et intendant de tes mystères, de travailler fidèlement à la construction de son corps. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis: ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit: ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit: voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Parole du Seigneur. Christus, 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 Christ
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, nous les apôtres, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Nous avons rejeté toute dissimulation honteuse. Nous n'agissons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous manifestons la vérité. Et ainsi, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Parole du Seigneur. Votre joie soit parfaite.
Mon commandement, les voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers ordinants, chers frères et sœurs, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était tohu et bohu, et les ténèbres couvraient l'abîme. Vous connaissez tous, bien sûr, ces paroles qui ouvrent le premier livre de la Bible. Ce que nous apprend ce texte, c'est qu'au commencement, il n'y a pas rien. Il y a les ténèbres. Et les ténèbres sont insupportables. Quand les ténèbres sont totales, c'est l'épouvante. On a l'impression d'être enserré par les ténèbres, d'être englué dans les ténèbres. D'ailleurs, on parle de ténèbres épaisses. Comme on dit qu'une colle est épaisse, on est englué vivant dans les ténèbres. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et tout à coup, jaillit la lumière. Mais ce n'est pas d'abord la lumière qui jaillit, c'est d'abord une parole. Que la lumière soit. Et alors la lumière surgit, et la lumière déchire les ténèbres qui s'enfuient devant elle. Et c'est alors que tout commence. C'est la naissance de l'univers. Au commencement, la science suppose qu'il y a eu le Big Bang. La foi ne nous dit pas le contraire, mais la foi nous dit davantage. Au commencement, avant toute chose, il n'y a pas une explosion, il y a une parole. Et cette parole,
c'est une parole de lumière. Elle est porteuse de lumière. Elle est tout entière lumière. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui est parole de lumière. L'esprit du mal, depuis longtemps, a appris à utiliser la parole pour le mal. Et nous savons tous par expérience qu'il y a des paroles de ténèbres, les paroles de mépris, les paroles qui blessent, les paroles de mensonge, de médisance, de vengeance. Toutes ces paroles sont des paroles de ténèbres. Les paroles de crainte, les paroles de doute ont aussi une complicité avec les ténèbres. Mais on peut en être guéri. Comme lorsque Jérémie, pris de peur dans la première lecture, dit à Dieu : Vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Mais Dieu ne voit pas ce que Jérémie ne sait pas faire. Ça ne l'intéresse pas. Dieu voit ce dont Jérémie est capable, puisqu'il a fait de lui un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui prononce les paroles mêmes de Dieu. Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Et désormais, Jérémie, guéri de sa peur, transformé par Dieu, Jérémie aura un nouveau regard. Jérémie verra tout dans la lumière de Dieu. Et pour tous ceux qui accepteront d'écouter les paroles prophétiques de Jérémie, ces paroles seront lumière. Elles seront paroles de Dieu. Elles apporteront la lumière. Chers amis, chers ordinants, chaque fois que Dieu met dans la bouche d'un homme ses paroles, c'est comme si le premier moment de la création du monde se produisait à nouveau. Car chaque fois que la parole de Dieu retentit, cette parole créatrice fait naître un monde différent, un monde nouveau. Et c'est ce qui se passe avec la parole des prophètes. Et c'est ce qui se passe avec la parole des prêtres que vous allez devenir, chers ordinants, dans quelques instants. Dieu va mettre dans votre bouche ses paroles. Et ces paroles créeront le corps et le sang du Christ, là où on avait posé le pain et le vin, sur la patène et dans la coupe. Ces paroles recréeront et remettront debout le pécheur qui se présentera devant vous avec le fardeau de ses péchés. Je t'envoie, continue Dieu, en s'adressant à Jérémie, c'est juste après le passage que nous avons entendu, je t'envoie pour arracher et renverser, pour bâtir et planter. Et tu pourras faire tout cela, puisque je mets dans ta bouche mes paroles. Alors, chers frères et sœurs, nous comprenons sans peine maintenant pourquoi saint Paul, dans la deuxième lecture, fait justement référence à la première parole de Dieu dans le récit de la création. Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière ». Dieu a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Car c'est bien le même Dieu créateur qui nous donne de le connaître pleinement dans le Christ. Et cette grâce qu'il nous accorde de le connaître, c'est aussi extraordinaire
que la création elle-même. Si quelqu'un est dans le Christ, écrit saint Paul ailleurs aux Corinthiens, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Et il ajoute un peu plus loin en parlant de lui, de son propre ministère d'apôtre, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous transformer, renouveler par la parole créatrice de Dieu. La lumière qui fait fuir les ténèbres, la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage du Christ, c'est cette parole de réconciliation entre Dieu et les hommes qui est mise sur les lèvres des apôtres et de tous ceux qui, par le sacrement de l'ordre, sont associés au long des âges à la grâce de ce ministère. Ainsi, la vieille humanité, engluée dans les ténèbres épaisses de ses discordes, de ses péchés, de sa désespérance, la vieille humanité se trouve renouvelée, recréée par une parole de réconciliation qui fait se lever des hommes nouveaux, habités par l'Esprit Saint. Frères et sœurs, c'est seulement dans cette lumière que nous pouvons comprendre cet impossible commandement que Jésus nous donne dans l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand on cite cette parole, on oublie très souvent la deuxième partie. Comme je vous ai aimé. Alors aimez-vous les uns les autres, ça devient un vague souhait. Et si on oublie la deuxième partie, c'est justement parce que c'est impossible. Comment vivre l'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres, comme Jésus nous aime, comme Jésus nous a aimés, au même degré que Jésus? Bien sûr, si nous mesurons notre amour à l'aune de l'amour de Jésus, eh bien nous sommes littéralement anéantis. Mais attention, ne laissons pas de côté le début du passage. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Demeurez dans mon amour. Car l'amour de Jésus, c'est quelqu'un. L'amour de Jésus, c'est l'Esprit Saint en personne répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, dit encore saint Paul dans l'Épître aux Romains. Si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, cela veut dire que c'est l'Esprit Saint lui-même qui vient aimer en nous Dieu et notre prochain. Alors, de quoi aurions-nous peur? Si Dieu met dans la bouche de Jérémie ces paroles, Jérémie n'a plus peur de parler. Si Dieu met dans notre cœur son amour, nous sommes capables d'aimer. De quoi auriez-vous peur, chers ordinants? Vous qui certainement mesurez votre faiblesse au moment où vous allez remettre votre vie tout entière entre les mains du Christ pour qu'il en fasse une vie donnée. Bien sûr, vous allez porter ce trésor dans des vases d'argile, nous dit saint Paul.
dans la fragilité de votre humanité. Bien sûr, vous serez les premiers à avoir besoin sans cesse d'être fortifiés par la parole que vous annoncerez, d'être restaurés par le pardon que vous donnerez, d'être nourris par le pain de vie que vous partagerez. Vous êtes et vous demeurez des pécheurs pardonnés. Et c'est ainsi qu'on voit et qu'on verra toujours que, je cite encore saint Paul, cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de vous. Mais vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Vous êtes les amis du Christ. Il vous le dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, encore la parole, je vous l'ai fait connaître. Oui, vous êtes les amis du Christ, les amis de l'Époux. Vous êtes la voix du Christ qui annonce aux hommes le salut et qui leur donne la vie éternelle. Tout à l'heure, quand je vous tendrai le calice et la patène pour la célébration de l'Eucharistie, je vous exhorterai au nom de l'Église à imiter dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et à l'imiter jusqu'au bout. Et je préciserai jusqu'où va cette imitation. Je dirai, conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Jérémie. Frères et sœurs, lisez le livre de Jérémie jusqu'au bout. Vous verrez ce qui est arrivé à Jérémie par anticipation prophétique. C'est ce qui est arrivé à saint Paul par association au mystère pascal de son Seigneur. C'est ce qui s'est produit d'une manière ou d'une autre pour tous, je dis bien tous les serviteurs et les amis du Christ qui ont donné le témoignage du plus grand amour qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Oui, chers ordinants, la gloire et la croix du Seigneur seront votre partage, les deux en même temps. Mais recevez cela comme une promesse, car c'est la promesse de porter du fruit, un fruit qui demeure. Alors, si vous recevez toujours cela comme une promesse, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus pour donner aux hommes la joie d'être sauvés, tout, absolument tout, vous sera accordé.
Fils bien-aimé. Avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorez avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur frère Élie Théophane, frère Emmanuel de la Croix et frère Juan Diego de Jésus les dons de son esprit. Mettons-nous à genoux. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Michel, défenseur de l'Église, priez pour nous. Saint Gabriel et Saint Raphaël, priez pour nous. Vous tous, saints anges et archanges, priez pour nous. Saint Élie et Saint Jean-Baptiste, patriarches et prophètes, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Thomas, priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean, Jacques et Saint-Philippe, priez pour nous. Saint-Barthélemy et Saint-Matthieu, priez pour nous. Vous tous, saints apôtres, priez pour nous. Saint-Luc et Saint-Marc, Saint Barnabé et Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous. Vous tous, saints innocents, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Corneille et Saint Cyprien, priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité, priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Cécile, Maria Goretti, priez pour nous. Saint Jean Théophane Vénard, priez pour nous. Vous tous, saints martyrs, priez pour nous. Saint Léon le Grand, Saint Jérôme et Saint Augustin, priez pour nous. Saint François de Sales, priez pour nous. Saint Jean 23, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, saints évêques et saints docteurs, priez pour nous. Saint Antoine d'Égypte et Saint Benoît, priez pour nous.
Saint François d'Assise et Saint Dominique. Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Sainte Catherine de Sienne. Philippe Néry et Saint Jean-Marie Vianney. Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Bernadette. Priez pour nous. Vous tous, saints prêtres religieuses et religieuses. Toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. De grâce, de bénir ceux que tu vas appeler. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer ta miséricorde. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et garder
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu. Répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur frère Élie Théophane, frère Emmanuel de la Croix et frère Juan Diego de Jésus, que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine, toi qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres des ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'Esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle foi au plus profond d'eux-mêmes, l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte des fruits dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et
et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui t'est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance,
fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, être innommable, nous venons à tes pieds, nous tes enfants, te porter les fruits de la terre que ta bonté nous a donnés. Accepte-les, bénis-les et pardonne nos manquements. Essayez, 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 allez pas y en aller.
Mais ça n'a plus rien à voir.
et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as voulu que tes prêtres soient au service de ton autel et de ton peuple. Dans ta bonté, fais que par la puissance de ce sacrifice, le ministère de tes serviteurs te soit toujours agréable et porte dans ton Église un fruit qui demeure toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur et dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Sanctus, 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 Pater. Domine nos Deus amat.
est vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons ensemble le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Maranatha. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres,
les glorieux martyrs, Saint Bonaventure et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, pour les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Jean-Marc, et l'ensemble des évêques, des serviteurs ordonnés aujourd'hui prêtres de l'Église. Tous les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté, écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, remets à toi, Père très saint aimant, nous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. A dit que des ténèbres jaillissent la lumière, c'est ce même Dieu qui, par son Fils, sa parole vivante, met sur nos lèvres les paroles par lesquelles nous l'appelons par son nom. Nous chantons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Thank you.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci de toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
tout ce qu'il vous dira. Il est le chemin, la vérité et la vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Suivez le Christ, vous connaîtrez la joie. Faites tout. Il est le chemin, la vie.
tout ce qu'il vous dira. Il est le chemin, la vérité et la vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Suivez le Christ, vous connaîtrez la joie.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communiant. Quelle soit la force de nos prêtres et de tous les membres de ton Église, qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais remercier particulièrement Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse, pour avoir présidé cette célébration d'ordination. Merci, Monseigneur. Merci. Merci également au Père recteur du sanctuaire de Lourdes, Père Michel Dauban, pour son accueil ici et sa présence avec nous. Merci également à Frère Henri Donneau, dominicain, assistant ecclésiastique de notre communauté. Merci pour votre accompagnement et votre présence. Merci aussi à vous tous, les prêtres ici présents, qui sont venus soutenir nos frères dans la prière et la fraternité sacerdotale. Merci. Cette célébration était vraiment une grande joie de pouvoir vivre ce moment de grâce ensemble à travers l'ordination presbytérale de nos frères. C'est un don pour notre communauté et un don pour l'Église. Le Saint Curé d'Ars, il disait une fois, « Nous avons besoin des prêtres pour renouveler le monde. Alors continuons de demander à Dieu de nous donner des saints prêtres. Merci à vous, Emmanuel de la Croix, Élie Théophane et Juan Diego de Jesus. Merci pour le don de vos vies à Dieu. Merci à vos parents, à vos familles qui vous ont accompagnés jusqu'à ce jour et qui vous offrent aussi au Seigneur. Merci à vous tous qui les avez portés dans la prière et qui les avez soutenus pendant toute leur formation. En ce temps difficile que traverse le monde et aussi l'Église, confions-nous à l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de prêtres. Pour qu'elle nous aide à cheminer fidèlement à la suite du Christ et à nous tenir prêts le jour où il viendra dans sa gloire. Toute notre espérance repose en lui. Portons-nous donc dans la prière les uns les autres. Merci. Chers frères et sœurs, mes frères et moi, nous voudrions sincèrement dire merci à certains acteurs qui ont contribué à notre cheminement
qui nous ont aussi accompagnés et aussi qui ont fait de telle sorte que la cérémonie soit belle. Nous disons merci à nos pères concélébrants qui ont accepté nos invitations. Certains qui ont voulu vraiment honorer de leur présence cette grande cérémonie très émouvante, comme vous le voyez. Oui, nous disons aussi merci surtout à notre communauté, la communauté des Béatitudes, et principalement à notre présidente, Sœur Anna Katharina. Nous disons merci à tous nos responsables qui nous ont secoués sur le chemin, qui nous ont appris à marcher un peu droit, ne pas toujours être des brebis égarées. Merci à vous, nos formateurs, nos responsables. Nous disons aussi un sincère merci à tous nos bienfaiteurs, à tous nos donateurs qui soutiennent la communauté dans la formation des jeunes, dans la formation de ses membres. Et nous demandons principalement à Dieu de les bénir et de bénir tous leurs projets. Nos merci vont également à nos parents, à nos paroisses d'origine, à nos amis, de près ou de loin, qui ont aussi cru en nous et nous ont soutenus par leurs prières, leur confiance et aussi de leur bien. Merci à chacun de vous pour votre présence à nos côtés. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez. Merci. Avant de laisser la parole à Frère Moïse pour les dernières annonces, il me revient d'annoncer ou de communiquer les affectations des trois nouveaux ordonnés. Donc, Père Élie Théophane, il sera envoyé à Diébougou, au Burkina Faso. Merci pour ton oui. Il va s'occuper du noviciat à Diébougou, donc sur la colline sainte. Donc, Emmanuel Delacroix, qui vient de parler. Donc, il est devenu belge avec les Belges. C'est pourquoi il va rester à Tilchateau, en Belgique, où il va s'occuper lui aussi du noviciat à Tilchateau, pour l'Europe. Et donc, notre frère Juan Diego de Jesus, il va s'approcher du Mexique, mais pas tout à fait. Il va aller à Denver, au Colorado. Il va aider nos frères prêtres qui sont la communauté qui est en charge d'une grande paroisse qui est à moitié hispanophone. Donc il est bien entendu là-bas. Merci à vous. Merci pour votre vie. Frères et sœurs, rassurez-vous, je suis le dernier à prendre le micro. Et juste pour nous réjouir ensemble, nous sommes une grande assemblée. Vous ne voyez peut-être pas tout, mais moi je vous vois tous. On vient de tous les horizons. Et on est même encore plus nombreux que ça, non seulement parce qu'il y a les saints et les anges au-dessus de nous, mais il y a aussi tous ceux qui nous suivent à distance. Donc on peut aussi applaudir ceux-là qui ont suivi de loin. Donc nous sommes venus de tous les horizons, de plusieurs continents. Nous avons partagé ensemble la prière, la joie et même peut-être la danse aussi pendant l'offertoire ou à d'autres moments. Et nous nous sommes réjouis, bien sûr, autour de nos trois frères qui viennent d'être ordonnés prêtres pour l'éternité. Gloire à Dieu. Mais la fête n'est pas finie, c'est la bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Ça ne s'arrête pas là. On va continuer ensuite avec l'apéritif.
et le grand repas festif à l'image du festin des royaumes des cieux auquel vous êtes tous invités. Alors bien sûr, là, c'est seulement ceux qui sont ici, mais vous êtes vraiment tous invités à nous rejoindre pour la suite, l'apéritif et le repas festif à la salle de la forêt. J'indique très rapidement comment aller à la salle de la forêt. Ceux qui sont dans le pèlerinage depuis quelques jours ont aussi leur petit livret où il y a les informations géographiques, vous pourrez vous localiser comme ça. Pour tout le monde en tout cas, il suffit de passer la passerelle sur le Gave, de tourner à droite et d'avancer avec patience le temps qu'il faudra jusqu'à ce que vous y arriviez en longeant le Gave. C'est pas très difficile, mais peut-être il faut compter 10 minutes. Donc prenez votre temps. Et il faut bien tous aller là, parce que non seulement il y a l'apéritif et le repas festif, mais il y a aussi les bénédictions des nouveaux prêtres. Ils ne vont pas faire de bénédiction ici. Il faut aller jusque là-bas pour recevoir leurs bénédictions. Donc nous vous attendons tous là-bas. Oui, vous pouvez les applaudir. Maintenant, je demande pardon à tous ceux qui parmi vous étaient déjà là depuis quelques jours et m'ont déjà entendu sur ce sujet. Mais bien sûr, une messe d'ordination, c'est le couronnement d'un long temps de formation. Et moi, je suis l'économe général et donc je suis toujours soucieux de remplir les caisses suffisamment avant qu'elles soient entièrement vidées pour ces frais de formation. Donc je le redis pour ceux qui l'ont déjà entendu, pardonnez-moi, et pour tous les autres. Vraiment, je vous invite, si vous le pouvez, autant que vous le pouvez, à nous aider pour cela. Donc vous trouverez à la salle de la forêt des frères et des sœurs qui vous attendront avec des sacs de quête. Il y a aussi le fameux tronc blanc que ceux de la session connaissent bien. Donc vous pourrez laisser là votre offrande. C'est possible de faire un chèque à l'ordre de la Fondation nationale pour le clergé en vue d'avoir un reçu fiscal. Vous pourrez redemander là-bas les indications pour ça. Donc vous pourrez nous aider comme ça. Merci de votre aide. Et pour ceux qui sont à distance, je signale la possibilité aussi de faire des dons en ligne via notre site web beatitude.org. Vous pouvez faire aussi des dons en ligne à distance. C'est valable d'ailleurs aussi pour ceux qui sont ici et qui n'ont pas leur chéquier et qui voudraient bénéficier d'un reçu fiscal, n'hésitez pas à passer par notre site web. Votre offrande à la salle de la forêt, c'est aussi bien pour la formation, aussi bien pour le magazine jubilaire que vous pourrez aussi vous procurer là-bas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et aussi bien aussi pour nous soutenir pour les frais de ce magnifique repas festif qui va régaler nos corps, nos cœurs et nos âmes. Bonne soirée. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé son Église et la dirige. Qu'il vous protège toujours par sa grâce, pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, et vous aussi ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je te choisis aujourd'hui. Toute la cour céleste, ô mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, les biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de vos actions, passées, présentes et futures, te laissant bien entier et bien droit, et disposé de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception. Selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Je vois mes frères, Seigneur.
Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, 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 Seigneur Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Eh, 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 eh. Ah, le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Ensemble, élevons le Seigneur, il est vivant. 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 Eh, eh, eh. Eh, eh, ah. Levons le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, j'ai cherché un refuge, car je n'avais pas la paix de marabout en féticheur, de religion en homme mystique, mais je n'ai rien trouvé. Personne. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie, en lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. Et c'est vrai, j'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Moi j'ai longtemps marché, 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 j'ai tourné en rond, et même fouillé, 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 il n'y a vraiment personne comme lui. Moi j'ai longtemps marché, 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 j'ai tourné en rond, et même fouillé, 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 il n'y a vraiment personne comme lui. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, veux te chanter Alléluia, eh, eh, Alléluia, louer son nom. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, veux te chanter Alléluia, eh, eh, Alléluia, louer son nom. On acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, louer son nom. Je dis on acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, car il est puissant, Alléluia, louez son nom. On élève Jésus, Alléluia, on élève Jésus, Alléluia, on élève Jésus, Alléluia, louez son nom. Je dis on acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, louez son nom. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, bien-aimé de Dieu, enfant de Dieu, peux-tu chanter Alléluia, eh, eh, Alléluia, louer son nom. On acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, louer son nom. Je dis on acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, louer son nom. Ressuscito, 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 Alléluia, 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 ressuscito. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? On reprend ça.
La muerte, ole. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó.